Explosion au centre de Londres. Où se trouve le ministre de l'Intérieur? Je voudrais pouvoir dire à l'ambassadrice si son mari est vivant ou mort. Al, tu m'entends? J'en sais. L'ambassadrice américaine a failli devenir veuve hier soir. C'était la Russie. Ils nous ont attaqués en mer et chez nous. Tu peux encore me quitter? Je me quitterai pour lui. Tu l'as baisé? Non! Tu prévois de le faire? Ouais. Il est arrivé que le Parti conservateur reçoive des dons de sources russes. Si des membres de mon gouvernement sont impliqués, ça peut être n'importe qui. Le tueur est à l'intérieur de la maison. Trois ressortissants américains se sont pris une bombe à l'intérieur de cette maison. La dernière fois qu'on a surveillé, ça a failli être la fin de l'OTAN. Tout désigne manifestement celui-ci. J'aurais dû frapper. Si le Premier ministre ne démissionne pas, nous le renverrons. Vous allez finir par vous faire tuer. Vous avez fait une grave erreur. Une erreur mortelle. Ce sont les sacrifices que réclame la politique. Ne t'avise plus jamais de me dire un truc pareil. T'as réussi à débusquer un complot au sein de ce gouvernement. Vous pensez jouer aux échecs, mais en réalité, vous jouez aux dames. C'est pas une vice-présidente. Elle envoie mon équipe au casse-pipe, y compris moi. La vice-présidente est en route pour Londres. Elle est au courant pour moi? Ouais, elle est clairement au courant.